Un court passage de notre épisode avec Fred Fontan, l'entraîneur de Félix Auger-Aliassime, et on vous a regroupé 9 secrets de coaching dont Fred parle dans l'épisode entier, accessible gratuitement en lien juste en dessous. Savoir comment ça s'était passé là-bas et puis comprendre dans la foulée pourquoi finalement tu t'es arrêté entre guillemets à ce 50e rang mondial. Quoi. Qu'est-ce qui t'a freiné, stoppé, je ne sais pas. C'est assez étonnant. Donc, écoute, là, ce qui est effectivement pas l'air, mais c'est super, c'est que tu gagnes un tournoi, même à l'époque, bon, on a gagné un tournoi, il n'y a pas beaucoup de Français, même maintenant, je veux dire, je sais pas, on doit être une trentaine ou entre 25 et 30 à pouvoir gagner des titres sur le circuit. Donc là, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment, bon, c'est le pic du souvenir de ma carrière de joueur. Hein, là, un 12e mondial en finale, enfin, c'est énorme, quoi. Voilà, il y avait Yannick Noah qui est perdu en quart juste avant sur Arezé, après moi, j'ai battu Arezé en demi, donc bon, c'était l'année de la Coupe Davis aussi où on était en balance. C'est Yannick avait choisi, donc je faisais partie dans la liste pour la finale quoi, à Lyon. Donc il avait pris plutôt 2 lettres, il avait laissé de côté, je crois, c'était Pioline et moi pour la finale hein, à Lyon. Donc c'était 2 lettres, Santoro qui avait été mis dans l'équipe, donc il était en balance parce que tout le monde avait eu des très bons résultats. On était à cette époque-là, il y avait une grosse densité dans les 60 premiers mondiaux là, au niveau des joueurs français, Pioline, Butch, Raoux, Santoro, voilà, 2 lettres, Noah, Forger, enfin, Noah était sur la fin, mais il y avait encore Forger, Lecomte. Donc c'était très dense. Et donc là, voilà, c'était vraiment ma plus belle année, voilà, en tant que joueur professionnel. Et après, c'est toujours pareil, c'est plus facile d'analyser après pourquoi j'ai pas réussi à maintenir ce niveau ou aller plus haut, et surtout à maintenir ce niveau-là. Bon, c'est plus facile, voilà, maintenant que je suis entraîneur. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que j'étais pas, tout simplement, pas assez fort pour pouvoir pas assez fort sur le moment pour pouvoir mettre les adaptations ou créer l'environnement nécessaire autour de moi pour continuer à maintenir ou voir progresser. Donc ça, c'est la première chose. C'est moi, personnellement, je n'étais pas assez armé pour m'adapter et créer l'environnement autour de moi, faire des changements qui auraient été nécessaires. Ouais. C'est qu'en fait, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'avec le recul, en fait, toutes les personnes qui m'entouraient, c'était des personnes qui découvraient, comme moi, un peu le circuit professionnel et le tennis professionnel. Donc, ouais. Moi, par exemple, mon entraîneur, il avait son club de tennis, mais donc il pouvait pas se libérer pour être avec moi. Il avait beaucoup, il était très occupé. Et moi, on n'a pas réussi à créer la situation pour qu'il puisse me suivre plus. Donc, ça fait que, et ça, c'était un peu toujours tout autour, que ce soit l'aspect kiné, physio, et comme j'avais quand même un physique. Voilà, qui était j'étais un joueur de fond de cours très régulier, mais avec un physique qui n'était pas forcément super, voilà, super endurant et costaud. Il aurait fallu faire un travail un peu plus personnalisé, continuer à avoir un entraîneur pour pouvoir continuer à développer mon tennis, continuer à travailler. En fait, j'ai basculé dans ce que font souvent l'erreur, et surtout à l'époque où il y avait moins de moyens, même si tu rentres dans les 100 premiers où j'avais gagné un tournoi, tu as plus de moyens, mais pas suffisamment, malgré tout, pour te faire suivre par de la compétence, quoi. Et en fait, j'ai basculé dans le fait de rester trop dans la course au résultat plutôt que suffisamment continuer à développer mon tennis et voilà, ainsi de suite. Donc voilà, avec une petite erreur et un mauvais timing, c'est-à-dire que j'ai dû faire quand même en fin 91, l'année où j'étais monté à 50, j'ai dû en fait faire mon service militaire. À l'époque, c'était au bataillon de Joinville, même si c'était adapté, c'est-à-dire qu'on faisait un mois de classe au mois de décembre. Et après, on revenait faire des classes durant l'année. Mais dans mon cas, comme j'avais fait une année très éprouvante, j'étais monté, il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Je n'ai pas pu faire justement mon repos, mon travail hivernal. Et ça fait que je me suis blessé tout de suite l'année en 92. Je n'ai pas arrêté d'être blessé. Voilà, et de devoir revenir. En fait, je ne peux plus revenir à Pau. Il fallait revenir entre les tournois. Il fallait revenir faire les gardes au bataillon de Joinville. Donc, c'était vraiment quelque chose de pas approprié pour un joueur qui est dans le top 60. Et ça fait que je me suis blessé. J'ai perdu confiance. Mais forcément, voilà, les moyens financiers, ça devient plus difficile. Donc, tout ça, c'est un peu mis en place. Et après, je n'ai pas réussi à retrouver cette bonne alchimie. Et voilà, en sachant que je voulais rester fidèle à mon équipe. Et jusqu'à un certain temps, après, j'ai basculé. Je suis allé sur Paris pour essayer de changer un peu de structure. Mais entre guillemets, là, j'avais perdu le fil et j'étais sorti trop du processus et j'étais trop dans le résultat. Et à un moment donné, voilà, ça a été, j'ai pas retrouvé le fil, si ce n'est que tout ça, en fait, donc j'ai navigué entre 100 et 200, quoi, le reste de ma carrière. Mais tout ça, le fait d'être tout seul, d'apprendre, d'avoir ces épreuves, comme j'ai quelqu'un qui aime bien réfléchir, j'ai fait ma préparation physique un peu tout seul à un moment donné, à mon entraînement, tout ça, je dirais, était un bien pour,
un mal pour un bien et m'a servi en tant qu'entraîneur après. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa sur Apple Podcast, ça nous aide comme jamais à référencer la chaîne et à tout donner chaque semaine.